Jonah a été emprisonné là-dedans. Il faut le rechercher, Lara. Nous allons essayer de faire tout notre possible pour le retrouver. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans Rise of the Tomb Raider, baby, let's go maintenant. Woo. Et on va nager sous l'océan. Oh. Il y a carrément des choses sous l'eau, en fait. On dirait bien, les équipes de démolition sont déjà en train de charger les hélicoptères. En fait, je voulais pas sortir tout de suite. Je voulais voir ce qu'il y avait. J'arrive pas à plonger, putain. C'est malheureux. On va sortir. Bonjour, je m'appelle Seros. Hop. Je voulais te montrer un truc. En fait, sous l'eau, il se cache des choses. Un truc intéressant. Regarde, t'as vu la vue? C'est magnifique, hein. Bon, je te laisse explorer. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir ton pote. Non, dis ce qu'il va faire là-bas. Ouh. Ouh. J'ai eu un succès. Alors, Lara, doucement. Doucement, tout doucement. Et on va lui montrer c'est quoi 3x4 12 motherfucker. Oh là là là. Sérieusement. Ah, il a commencé à boire en fait dans son coin. Ouais, c'était un sacré bordel. Constantin s'attendait pas du tout à tomber sur elle. Ils sont pas loin, ils sont cachés pas loin. Le tombeau tout entier sur nous. Un vrai boulet celui-là. J'ai un problème avec Windows 10 en fait, il passe son temps à me donner des petites alertes. J'ai pas cherché comment faire pour empêcher ça. Ils nous causent trop de problèmes. Ils auraient pu se débarrasser quand ils le pouvaient. Ils nous avaient aidés quand même. Ils nous ont conduit ici. Tu crois que les Trinitaires voulaient la recruter? J'en sais rien et je m'en fous. Ils parlent de moi là. Les ordres sont les ordres. Sur la voie. On les a conduits ici? Attends, ils ont creusé un trou dans la glace exprès là. C'était pour plonger? Je pense qu'il faut effectivement que j'aille au fond. Mais j'ai essayé, de toute façon j'y arrive pas. C'est trop profond pour moi. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer. Ouh, ils sont juste là. Je les entendais beaucoup plus près. Aïe, non, ils sont juste là. Je sais pas si j'ai débloqué ou pas un truc qui permet de défoncer les gars à deux en même temps. Est-ce qu'on part avec les autres? Pas encore. Reste bien sur tes gardes et continue à faire. Ils sont en train de regarder une grande carte. Je pense que si j'arrive à tous les tuer et à aller sur la carte, je peux peut-être glaner des informations. Mais lui, il verra plus jamais la lumière du jour. Tu vois, parce que je suis comme ça, moi, tu vois. Ouais, j'aime pas laisser la place. Tu peux me filer un coup de main? Ouais, attends. Un coup de main sur quoi? Hey, fuck! Mec! On va descendre? Qu'est-ce qui se passe? Ce putain de camion est foutu. Ah, d'accord. Ils vivent leur vie, c'est cool! Et moi, je suis en mode vraiment infiltration, quoi. Franchement, ça avance, ça fait plaisir à voir, tu sais. Je veux dire, dans combien d'épisodes vous avez vu Seros faire des actions comme ça sans trop de problèmes, tu vois. Alors là, je dis ça, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer de la merde parce que je vais faire de la taille. Mais écoutez, on ne sait pas. Regarde ce que je vais faire. Je vais détourner l'attention de ce garde là-bas. C'est quoi ce bruit? Je vais voir. Du coup, il va aller voir. Entendu. Hop, je tue son pote qui est en train d'essayer de. De réparer ça. Minute. Il y a un truc. Et lui, il est down. Quoi? Oh oh. Je crois qu'ils ont vu ça. Non, ils ont vu, ils ont pas vu. Merde, il a vu. Fuck! Il est mort. Déployez-vous. Fuck! Hostile! Fuck! Ils sont pas vrais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Salut! Je m'appelle Lara Croft et je suis venu vous montrer c'est quoi. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait... Aïe, dégage! Y a même pas de la musique de combat qui s'est lancée, tu sais. Tellement en fait, ils s'attendaient pas à ce que je me fasse repérer. Et du coup, comment t'as pu te faire repérer ici, c'est Royce? C'est n'importe quoi, franchement. Il est où l'autre? Hey! Hey, buddy! T'emmènes pas un couteau à combat de fusil à pompe? J'ai bien aimé que la musique n'a pas changé du tout. Elle s'est dit, bon, il va pas se repérer quand même. Et on dirait la Réunion, tiens. C'est grave. Il va pas se repérer le Seros quand même. C'est facile là. La scène n'est pas compliquée. Il peut s'infiltrer tranquillement. Il a entendu les conversations de tout le monde. Hein, il va quand même pas faire foirer ça. Ah, c'est bien mal me connaître, vois-tu. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons quand même aussi à passer cette petite scène. Assez compliquée pour moi. Hein, je me suis fait repérer. Mais bon, pourquoi je me suis repéré? Parce qu'il a vu le cadavre de son pote. Sinon, s'il n'avait pas vu le cadavre de son pote, hein, j'aurais pas été mort. Enfin, j'aurais pas été repéré parce que je suis pas mort. Enfin, je me comprends. Alors,
Ah, je vais passer par ici. Ok, très bien. Et j'aime bien aussi ce qui se passe au niveau du son actuellement. La petite musique est vraiment pas mal. On va visiter cet endroit juste après. On va voir d'abord ici si on peut pas... Ah, on peut. Qu'est-ce que nous avons là? Une cartouche de fusil. Oh. Mais elle a quelque chose de spécial. Et il y a des trucs écrits dessus. Peut-être que c'est ça. Attends, je vais le tourner encore un petit peu. Ah, là, ça vibre. Il y a une inscription en latin en bout. Tuez-les tous. Tu reconnaîtras les siens. C'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de tuer... cibler vraiment son ennemi, tu tues tout le monde. Et de toute façon, ceux qui méritent d'être sauvés, ils seront sauvés par Dieu. C'est vraiment... Faut vraiment être taré, en fait, pour penser comme ça. Ça, c'est un coup des nazis, ça, à tous les coups. Après, tu me diras, les nazis ont bon dos. Hein. On leur met toutes les terreurs du monde sur le dos. En même temps, ils avaient qu'à pas être nazis. Hein. Voilà, c'est leur problème. Alors, qu'avons-nous ici? Plein de trucs inutiles. Ah. Je sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. J'ai grimpé à un arbre pour avoir une meilleure vue de la vallée en dessous. Je vois de vieux bâtiments et des gens qui s'affairent. On dirait qu'ils sont des hélicos et qu'ils font venir tout un tas de matériel. C'est forcément les Trinitaires. Je vois que ça. Faut croire qu'ils nous ont coiffés au poteau finalement, hein. Ça fait plusieurs heures que je les observe. J'étudie leur patrouille. Je pense pouvoir passer au travers, en agissant au bon moment. Lara, t'as toujours été meilleure que moi à ce genre de choses. Si t'es là-bas, et que tu m'entends, je t'en prie, fais attention. Eh bien, je suppose qu'elle a fait très attention, puisque du coup, elle s'est fait attraper qu'une seule fois. Remarque, tu vois, c'est déjà pas mal. Lara, généralement, elle s'est capturée quand même beaucoup de fois, en fait. Et là, ça va. Qu'une seule fois. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Une seule? Oui. Ma foi est forte. Ma volonté aussi. Même si mon esprit continue à divaguer. Je nous revois Jeanne, Constantin et moi. Jeanne. C'était un enfant difficile. Toujours à douter et à poser des questions. Il avait peur de ce que l'avenir lui réservait. Peur de ne jamais trouver sa place. Oh. Pas fier. La nuit où j'ai taillé ses marques dans ses mains. La nuit où j'ai murmuré à son oreille. Je l'ai créé. Je l'ai sauvé. Il a cru que c'était l'œuvre de Dieu, exactement comme je l'espérais. Maintenant, c'est à lui de me sauver. Et si finalement il n'y arrive pas, alors je me sauverai toute seule. Oh, elle a osé faire ça à son frère, en fait. Lui, il pense être une sorte de prophète ou un truc du genre, et en fait, que nenni. C'est sa sœur qui a fait ça avec lui, quoi. Toi, je suis perdu, là. Ah, voilà, merci. Merci, échelle, qui n'était pas très, très, très visible. En plus, c'était l'échelle cinématique, quoi. Cool, l'Atlas. Récupère-le, c'est peut-être un bouton, un truc comme ça, qui permettra, je sais pas, moi... C'est éventuellement de... Je commence à me lâcher, pliez-vous à la volonté de Dieu. Tu mets une porte si et ça ouvre. Tu me faire un serment. Jonah. Il est où? Il est en bas? Alors, à la Just Cause, saute avec ton grappin. Avec la musique et tout. Pam, pam, pam. Let's go, Lara. Wouhou. On va tous les avoir. Holy fuck! Là, putain, Lara, mais tu sais quoi? Ce qu'elle vient de faire en fait est totalement stupide! C'est la phase suivante de l'opération. Oh merde! Par ici! T'imagines en fait la meuf elle vient juste de sauter du haut d'un bâtiment. Hop! Wow! Tu vois, regarde! Encore une fois! Elle vient de. Ce qu'elle fait est totalement insensé! Oh, oh, oh. Mais c'est excellent, putain, j'adore! Oh! Wow, wow, wow! Je kiffe ce genre de scène! Oh putain, Lara, t'es sérieuse?
C'était pas ce qui était prévu. Ça va beaucoup trop vite à mon goût. Ça va, tout va bien. On est arrivé. Je suppose. Hey, on te demande pas comment tu descends. Du moment que tu descends. Oh, wow, wow, wow. Wow. Là, c'est bon. Oh, j'adore, putain, ce passage est juste excellent. Oh, c'est bon. Allez, let's go. Bam. La discrétion est magnifique. Mais n'empêche qu'elle a fait, elle a dû faire au moins ce qui a dû être 30 km à pied. Elle a fait en quelques secondes. Tu vois le truc ou pas? Moi j'ai envie de refaire le passage. Je peux ou pas? Je veux remonter et refaire le passage, s'il vous plaît. Je suis descendu ici, mais... Ah, il y a deux pions. Un gros. Je me suis rapproché cette fois. Je me suis dit que quand je te trouverais, j'aurais peut-être appris quelque chose d'utile. Voilà ce que c'est. Une opération se prépare. De grande envergure. Il y a des centaines de soldats qui n'ont pas l'air commodes. Ils n'ont pas d'insigne, rien. Et ils sont rassemblés dans ces anciens bâtiments russes. On dirait que c'était un de ces horribles goulags avant. Je suis venu en me disant que t'avais besoin de mon aide, Lara, mais... Mais bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? Je sens que d'ici peu, c'est moi qui vais avoir besoin d'aide. J'espère vraiment que t'es en vie, et que tu m'entends. Je vais rester planqué aussi longtemps que je pourrai, mais... Il commence à faire rudement froid ici. Je vais bientôt devoir trouver un abri. Tu vois, en fait, la différence entre toi et Lara, c'est que... Dans la même situation, il a avancé, mais Lara est pas restée planquée en même temps. Si on devait jouer une Lara qui reste planquée 3 heures en fait au même endroit, ce serait pas vraiment intéressant. Mais il aurait pu avancer parce qu'il sait se battre. Hein. Il a les muscles quand même. Il y a quelque chose derrière, non? Non, il y a rien. Cool. J'aime comment... Eh ben, votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. Que vous allez passer un très sale quart d'heure. Oh, fuck. Ça fait un bruit de flingue alors que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, non! Ne l'écoute pas! Je faisais seulement ce que je croyais être juste! Son pistolet fait un bruit alors qu'il y a un silencieux dessus. Tire, putain, Jonah, non! Oh non, le con, putain! Non, mais sérieux! Ah, Jonah, franchement! T'es vraiment con, mec! C'est les cellules. T'as l'ennemi devant toi! Tu tires dessus, c'est tout! Tu réfléchis après! Oui, il est énervant, oui, vas-y, je sais, il est énervant! Putain, elle a pédalé vite par balle quand même, faut pas déconner. Je suis désolé, j'aurais dû le tuer. Mais oui. Mais il avait pas d'arme, j'ai pas pu. Mais c'est pas grave ça. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. Là, maintenant, il me faut la source pour sauver Jonah. Je suppose que ça marche comme ça, hein. À toutes les unités, répondez. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Ok, d'accord. Si vous y arrivez, hein. Oh mon dieu, Jonah est décédé. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant. Déception. Mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Mm-hmm. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Ah, saleté de Windows 10. Les effraie même peut-être. Comment tu fais ça? Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Mm-hmm. Ces gens qui avaient peur... Est-ce que c'était les Trinitaires? Tu ne m'as jamais dit. J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui.
Ils m'ont retrouvé. Je vais devoir les affronter. Alors là, je suis en train d'essayer de désactiver le son. Je sais pas comment on fait. Alors, courrier. Yeah, désactivé, voilà. Là, normalement, ça va le faire. Je vous explique même pas comment on s'est tapé fait pour pouvoir enregistrer ce jeu sur... sur en même temps sur mon ordinateur et sur depuis la Xbox et tout. Enfin bref, c'est la merde. Mais ça fonctionne apparemment, donc ça va. On est content, on se plaint pas. J'attends les ordres. Reste en position et tiens-toi prêt. Elle est dangereuse. J'aime bien. Ah putain, j'adore. J'adore. Elle est dangereuse. Ils savent que la meuf est super dangereuse quoi. Quelque chose me dit que ça va pas se passer comme je le souhaite. Ok, d'abord. Apparemment si. Il faut que je m'en débarrasse. Comment tu as la cible en visuel? Elle est là. Fuck. C'est tout qui m'a vu lui. Oh oh les gars, fusil à pompe hein, baby please. Non mais hé, hey, toi, tu pourrais dégager s'il te plaît? Ok c'est bon. Merde. Grenade. Très bien. Alors ils sont où? Parce que moi je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, tu vois. Contact ! Ils me font le tir de couverture. Il faut se débarrasser de ce putain d'hélicoptère. Let's go ! Oh ! Oh ! Oh, ça fait mal. Ça pique ! Ça pique ! Ça fait des guili-guili ! Aïe, 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 aïe ! Stop ! Please, les gars ! Non mais toi ! Non mais sérieux. Les gars, si vous voulez vraiment pas que je vous fasse du mal. Ah 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 ah. Ne foncez pas sur moi alors que j'ai un putain de fusil à pompe. Combien de fois faudrait vous le dire? Ils ne comprennent donc jamais. C'est quoi la fumée rouge? Tirature confirmée. Prêt à tirer. À quel point la raille est dangereuse pour qu'une armée entière essaie de la détruire à coup de grenade. Wouh. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. Comment ça se fait qu'on l'a perdu? Bah en fait si, en fait. Regarde. Je suis cerné. Franchement, c'est attention. Oh, dear. Je vais tous les tuer un par un. On a perdu un homme. Elle est sous la glace. Ils ont peur. Hey, en fait, Lara Croft, en fait, c'est devenu carrément une sorte de démon, tu sais. Voilà. Hop. Voilà. Alors ça, c'est fait. On a perdu un homme encore. Mais comment ça se fait? Elle est en train de nous liquider un par un. Putain, ils sont ultra nombreux en fait. Bon, attends. Je vais sortir de par le trou qui est au fond. Ouais, parce que ça fait trop longtemps que je suis trop depuis trop longtemps au fond du trou. Donc on va sortir par ici. Et récupérer. Je vais les laisser venir à moi. Bon, apparemment, ça me fait rien du tout. Oh, Dialon. Ouh, Dialon, je sais plus c'est quoi le bouton des grenades. Alors, là je suis dans une situation plutôt compliquée. On va se mettre en mode fusil à pompe. Hop. Aïe, aïe, aïe. What the fuck. Pas trop ce que je voulais faire. C'était pas trop la technique, la stratégie employée, tu vois. Bon, en même temps, je suis resté un petit peu trop longtemps à l'extérieur. Hop. Alors lui il est down. Elle est là. Ouais ouais je suis là ouais. Eh mec c'est quoi? Combien font? 3x4. Wow. Oh je ça les a défoncés, ça m'a défoncé. Mais je crois que comme il a un bouclier en fait ça l'a pas tué en fait. Voilà je me suis soigné. Et lui.
flèche au napalm. Ah mais oui, je suis con en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. J'ai oublié que j'avais les flèches au napalm. Bah ouais, les flèches au napalm, ça nettoie tout, c'est dit. Oh là là. Ouh. Il est mort? Oh non, pas ça, non. Jonah. Jonah. Laura. Je suis là. Laura. Faut que tu m'écoutes. Essaie de ne pas bouger. Si. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment? Comment? Avec la source. Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Faites donc alors, emmenez-le à l'observatoire. Moi je retourne pas en arrière, il faut que j'avance, que je continue d'essayer de trouver la source. Ou alors vous allez me faire revenir en arrière, et donc du coup je vais devoir revenir par ici. Ce serait vicieux de votre part. Jacob, il va mourir. Et Jacques, il a l'air super en bonne forme, en bonne santé. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. God damn it! C'est même pas de l'eau en fait, c'était de la poudre qu'il avait. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Alors quelle est donc cette magie? Faut le dire tout de suite. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Ça, je l'ai pas vu venir, ça. Si, je peux être blessé. Je sais pas si je l'ai vu venir ou pas. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. C'est bien lui. C'est divine. C'est bien lui qu'on a vu mourir au début du jeu, en fait. Je l'ai trouvé il y a fort longtemps. Il s'est pris une balle dans la tête, on est d'accord? Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Ah. Alors vous leur mentez? Depuis des générations? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les immortels! Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Ok. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal au sien. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père, il passe à l'action. Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non, on va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions, c'est plutôt un géant en fait, hein. De rester toujours comme ça. Ça nous laisserait une petite chance. Je ne peux pas baisser les bras. Les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. C'est magique en fait. Faut qu'elle cherche les deux rangs qui sont super bons et tout. What? Quand vous serez prête. Ouais. Vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. D'accord. Je ferai de mon mieux pour votre ami. Très bien.
Eh bien nous on va aller dans l'observatoire. Enfin non, dans la cité. En passant sous l'observatoire. Enfin bref, vous avez compris, on va passer là-dedans. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous avez vu ce succès magnifique, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à vous, je vous retrouverai donc bientôt dans un prochain épisode. À bientôt les amis.